Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo particulière sur le minage sans rig de minage. Vous l'avez déjà vu, on a déjà parlé des rigs de minage, comment ça se construit, à quoi ça sert. Aujourd'hui, on va plutôt parler du minage via la plateforme NiceHash. Bon alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est NiceHash? Comment ça marche? NiceHash, c'est une solution qui permet de louer du hash rate. Le hash rate, la fameuse puissance de calcul qui vous permet de miner. Par contre, attention, on parle bien de louer du hash rate et pas louer un rig de minage à distance comme dans le principe du cloud mining. Mais pour bien comprendre ces différences, il faut voir un petit peu comment NiceHash fonctionne en profondeur. En fait, le principe de NiceHash est assez simple. Il se compose de 5 étapes. Tout d'abord, l'acheteur se rend sur le site de NiceHash et passe un ordre, une commande, afin d'obtenir de la puissance de hachage contre une rémunération monétaire, ici le Bitcoin. Ensuite, NiceHash se procure cette puissance de hachage chez un mineur qui est prêt à la mettre à disposition de la plateforme, également en échange d'une rémunération. Une fois cette transaction effectuée, NiceHash transfère cette puissance sur CruxPool, c'est nous, qui sert donc à miner pour l'utilisateur initial et pour un ou plusieurs coins donnés. La pool transfère ensuite les rewards, les récompenses, à l'acheteur. Donc vous l'aurez compris, NiceHash, c'est un super moyen de commencer à investir dans les crypto-monnaies. Vous choisissez le coin qui vous intéresse, le montant que vous souhaitez investir dedans, et ensuite vous n'avez plus qu'à récupérer les récompenses à la fin. Et quitte à passer un ordre sur NiceHash, pourquoi ne pas le faire sur CruxPool? Vous devriez le faire. Donc si vous hésitez depuis plusieurs mois peut-être à commencer votre aventure dans les cryptos, soit parce que vous en avez entendu parler brièvement ou simplement parce que vous êtes curieux, ou si vous connaissez déjà le milieu, ça marche aussi. Vraiment, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, c'est le meilleur moyen de commencer et d'apprendre, NiceHash, vraiment. Et surtout, on reste disponible sur toutes nos communautés, Twitter, Facebook, Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions. Sachez qu'il est fort probable qu'un tutoriel dédié à NiceHash sorte bientôt, pour répondre à toutes vos questions là-dessus. Chut, chut, c'est un secret.